Bonjour et bienvenue sur DNA Games. Aujourd'hui, nous allons jouer à Gravity Falls Fright Nights. Je sais ce que vous allez dire. Pourquoi vous jouez à plein de jeux Gravity Falls, hein? Vous avez un abonnement? Non, c'est juste qu'on aime bien la série. Du coup, ben... on aime bien... ce qui tourne autour, donc on va jouer, hein. Dipper, Mabel et Knucklehead... sonnez l'alerte! Nous avons une... bon, on s'en fout. Ouais, c'est la crise! Qu'est-ce qu'il y a, oncle Stan? Nous n'avons plus beaucoup de trucs pour le Mystery Shucks. Et si vous alliez tous les deux voir si vous pouviez ne peut-être détirer quelque chose pour votre grand-oncle Stan? Prenez cette lampe de poche et soyez sûr de revenir avant le soleil, avant que le soleil ne se lève. Bien sûr, ça a l'air d'être une bonne idée. Je veux dire, qu'est-ce qui pourra arriver de pire? Alors, la dernière fois, nous avons joué avec les deux. La dernière fois, j'ai joué avec Mabel sur mon autre let's play, donc on va jouer avec Dipper cette fois. Voilà, donc j'ai joué un peu avant de vous montrer tout ça, mais... voilà. Donc, on peut avancer, sauter et faire des chocs de lumière avec la lampe de poche. Ça fait tellement que ça fait aucun sens. Donc, c'est un jeu de plateforme où il faut récupérer des items. Mais attention, certains items peuvent juste être des créatures déguisées. Et ça, vous n'avez pas le temps à le savoir. Voilà. On peut pas les tuer, mais on peut les stun. Ouais, c'était une mauvaise idée de faire ça. Alors, les items changent parce que tout à l'heure, ce n'était pas du tout les mêmes items que j'ai là. Oh mon dieu! Un roux! Voilà, j'ai stun le roux. Le totem. On avance. Le pivert. Comme vous le voyez, regardez. Voilà, ils sont stun tous les deux. Alors, on n'a pas vraiment une jauge de vie, mais on a une jauge d'étonnement. On l'entend. Ça, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose. Nous, ce qu'on va retrouver, c'est la bouteille. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. En fait, les bouteilles et... tous les items que vous aurez retrouvés seront trouvés dans l'ordre. Oh, c'était juste des feuilles. Ouais! Les jumeaux du mystère. Alors on a tout trouvé. Je sais pas si on peut faire un niveau sans trouver d'item. On vérifiera pas. Mon objectif c'est juste un peu de m'amuser. On trouve les objets, voyez-vous. On a trouvé le premier. Le rocher qui ressemblait à un visage. Tous ces items sont dans la série. Un nain! Vous voyez ça, ce sont des runes. Les runes peuvent être illuminées. Là voilà, décidez moi. Alien en bouteille. Qu'est-ce qu'il fout là lui?
ses yeux qui nous observent, n'est-ce pas? Délicieux. Deux nains! Ah, les nains sont tous des fanats de bouteilles! Le voilà! Voilà, stun. Alors, ça va peut-être être un peu vide. Mais bon. Disons que. Pas tous les jours être à 100%. Hein. En fait, je reviens de convention. J'ai trouvé encore des nouveaux trucs à mettre dans le décor. Qu'est-ce que c'est que ça? La tête de Yeti. Ah d'accord, bah en fait je retourne au début. Bon bah on va retourner en arrière. Bon pour l'instant on a été effrayé que par des nains. Les épées du Randil sont forgées dans les mines par des nains. Avec ça, c'est facile de dégommer avec des gens avec une seule main. Je connais plus mes paroles, hein. Faut que je révise mes classiques. Alors, c'est pas vraiment un walkthrough complet. Tout ce que je fais, moi, c'est... C'est joué, hein. Si vous voulez, je suis vraiment chercher quelqu'un qui va faire le jeu peut-être à 100% avec tous les succès. Il vaut mieux aller regarder un autre let's play parce que celui-là c'est juste un petit moment détente entre vous et moi. Je l'ai trouvé. Dépêchons-nous pour atteindre la fin du level. Le problème c'est que la dernière fois je l'avais pas trouvé la fin du level. Ah. C'est quand même comment on fait? Bien c'est simple, il suffit de se rappeler que là il y a un chemin. Et voilà, la forêt est complète. Power. Les jumeaux du mystère. Alors, je ne peux pas faire cette vidéo en un trait, parce qu'il y a quand même des niveaux ou quoi. Donc, on va voir jusqu'où je peux aller. Mais je pense pas que j'arriverai à faire tout le niveau à la vie. Vu que moi, je compte un peu le temps que je mets pour chaque vidéo. Castor. Des nids araignées. Danger zone. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Le ballon. En fait, j'ai joué à peu près jusqu'ici. Ah, bon, on a déjà trouvé un item. C'est pas possible, alors j'en ai perdu deux. Enfin, j'en ai oublié deux. Bon, on va retourner en arrière, voir si on a oublié quelque chose. Hein. Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Merde. J'ai oublié de charger ma lampe torche.
fait, j'ai l'impression qu'il y a un grand défaut, c'est qu'on n'est pas suffisamment proche. Oh merde, on l'emmène avec nous. Vous avez vu? Oh, c'est trop effrayant. Bon, on va réessayer. Hein. Ah, c'est bien, on nous ramène au point de sauvegarde. Bon, bah, on va continuer d'avancer. Hein. Voir si c'est pas justement le jeu qui nous troll en nous disant « Oh, vous avez oublié de... » Non, je déconne. Et sinon, vous avez fait quoi, vous, ce week-end ? Ah, intéressant. J'ai toujours voulu faire ça. Mais j'ai pas suffisamment d'entraînement. Je pourrais m'apprendre. Ah oui, comme ça, on serait bien qu'à deux. Oui, ça c'est le vrai item, donc j'en ai bien oublié deux, on dirait. Mais comment c'est possible d'oublier deux items? Parce que c'est pas la peine de me regarder comme ça, j'ai l'impression que les items changent d'emplacement tout le temps. Rêver, il fallait bien. Alors c'est pas grave, on va retourner au dernier point de spawn. Le problème c'est que nos personnages sont lents. Ah tiens. Je ne ferai pas commentaire sur lui. En fait, il faut vraiment avoir vu la série pour comprendre les petites références comme ça. En fait, je vous explique, il s'agit du tout premier... Enfin, du second ou troisième, je sais plus, monstre qu'on voit dans la série. Il s'agit en fait d'une créature dans un lac, comme vous l'aurez deviné. Mais c'est pas une vraie créature, c'est un vieillard dans un déguisement. Ça vous rappelle quelque chose? Non.
Gumbersnatch. Bon ben... Je suis mauvais. Epicest fail of all time. J'étais coincé sur une plateforme. Bon, ça n'explique pas la disparition de l'autre, quoi. Mais où est-ce qu'il est ? Laissez-moi deviner. Le voilà. Et c'est une oreille. Voilà. Pardon. On va dans la danger zone. Dixit les moustiques qui traversent la matière. Allez, on y est presque là, c'est le dernier train. Je veux un héros. Me tiens prêt au cas où. Et vous voyez la créature derrière? C'est ce qu'on a cru qu'était la créature. Mais en réalité, la créature était un vieux monsieur, comme je vous l'ai dit. Et il voulait juste un peu d'attention de la part de son fils. Et c'était le thème de l'épisode, en fait. C'est parce qu'au départ, Dipper et Mabel, pour trouver ce monstre, ont laissé leur grand-oncle Stan. Allez, on continue. Quoique... Bon, bah, je vais arrêter la vidéo là. Donc, abonnez-vous, laissez un commentaire pour dire à quel point je suis nul. Allez-y, dites-le. Mettez un j'aime aussi. J'aime les j'aime. J'aime les j'aime. Je vous dis à plus sur DNA Games. Bye!